Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, découvrons ensemble le mode élimination confirmée. On est sur Nuketown, c'est parti. Alors avant de commencer les amis, et pour vous offrir la meilleure expérience possible, je vais passer mes qualités de graphisme à très élevées et mes fréquences d'image au maximum. Sans plus tarder, passons au gameplay. Alors pour cette partie, je vais utiliser la PDW, et comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours mes 3 touches. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je les invite à aller voir mes anciennes vidéos et de revenir par la suite. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a un 0 à côté des lingots d'or. En effet, le jeu Élimination Confirmée et Battle Royale sont les seuls moyens d'avoir des lingots d'or. En Battle Royale, c'est très simple, il faut trouver des cartes au trésor et ensuite aller trouver le trésor. J'ai fait une vidéo, si vous êtes intéressé, allez la voir. Ici, en Élimination Confirmée, à chaque fois qu'on fera des kills, on aura des petits lingots d'or. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le trésor du mode Battle Royale, les lingots d'or nous permettent d'avoir des nouvelles armes avec des nouveaux camouflages. Comme vous pouvez le voir sur mon gameplay, j'utilise souvent la touche sauter. Maintenant, c'est devenu un réflexe. À chaque fois que je vois un ennemi, je saute pour le perturber. Alors parlons maintenant du mode de jeu élimination confirmée. Ce mode de jeu ressemble à une match à mort par équipe. Si ce n'est que, pour avoir un point dû à une élimination, il faut récupérer une plaque que l'ennemi laisse à la place où il est mort. Mais cette plaque peut être aussi récupérée par le camp opposé. Et dans ce cas-là, on n'aura pas le point. Du coup, si vous voyez des plaques alliées, il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Ça évitera au camp ennemi d'avoir des points. Dans ce mode de jeu, il faut se focaliser à tuer l'ennemi, mais pas que. Il faut aussi se focaliser sur les plaques, il faut récupérer le plus de plaques possible. Comme vous le voyez, j'essaie de sauter pour essayer de le perturber au maximum, même ici, là je vois sur le drone qu'il y a une petite brochette, j'essaie de la voir, il est mort, c'est parti. Alors là je suis au spawn ennemi, j'essaie de le tuer, j'ai plus de munitions, je recharge. Allez, j'utilise mon pic de gravité, ça peut toujours aider. Ah, dommage. Dans ces modes de jeu, si vous êtes plutôt mobile et que vous vous retrouvez souvent dans le camp ennemi, je vous conseille d'utiliser pic de gravité. Si vous êtes à court de munitions, ça peut toujours vous sauver la vie. Alors on est à 15-15 et comme je vous le dis souvent, il ne faut jamais lâcher l'affaire. J'essaie de prendre toutes les plaques alliées pour empêcher l'ennemi d'avoir le point. Là, j'ai une petite plaque. Ah, c'est dommage. Allez, sans plus tarder, on repart. On va essayer de prendre le plus de plaques possible, tuer le maximum d'ennemis. Ma pic de gravité est chargée au max, je peux l'utiliser. Alors on va chercher l'ennemi, il y a un petit drone. C'est pas mal. Alors essayons de contourner le spawn ennemi pour les avoir par surprise. Alors là il y en a un, je saute toujours, l'effet de surprise, là il y en a deux qui vit sur moi. Ah, triplé, une triplé, c'est pas mal. Comme vous avez vu ici, il y en avait deux qui étaient sur moi, viseur sur moi. Si j'aurais été immobile, ils m'auraient tué à coup sûr. C'est pour ça que je vous assure que depuis que je joue avec 3 doigts, je fais beaucoup plus de kills, je me fais beaucoup moins tuer. Je vous conseille vraiment d'essayer. Et si d'autres personnes ici jouent avec 3 doigts ou 4 doigts, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que ça vous a apporté par rapport au jeu d'avant. Allez, on a pris l'avantage, 28-23, mais rien n'est joué. On va essayer d'avoir le maximum de plaques possible. Allez, il y a un petit drone, on va essayer de les pré-shoot. Ah, je ne l'ai pas eu, dommage. Il y en a un ici, il y en a deux ici, c'est bon, il m'a tué, c'est pas grave. On repart, un petit drone, ça fait toujours plaisir. Il y a des ennemis au fond, vraiment dans leur spawn. Alors j'essaie de sauter au maximum pour les avoir par surprise. Là il y en a un. J'essaie de pas viser, dommage. Et comme vous pouvez le remarquer en haut à gauche, vous avez vu que j'ai 26 lingots d'or maintenant. A chaque fois que je tue quelqu'un, j'ai des lingots d'or qui s'ajoutent. Là, j'en tue un. Vous avez vu que je suis passé de 26 à 28. 39-26, il reste plus qu'un kill. Essayons de l'avoir. Bah non, c'est fini. Voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Surtout, si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos arrivent sur d'autres modes de jeu, et surtout, partagez la vidéo au maximum. Et maintenant que j'ai changé les graphismes du jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux de votre côté.